Yop tout le monde, c'est Monsieur Raptor, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Hors des Tentes V2. J'ai pas encore posté l'épisode 2, mais j'avais envie de bosser sur la déco du farmer à squelette, donc on y est. J'ai fait un petit sol un petit peu, comment dire, pas mono matériel, matériaux, enfin bref, vous avez compris. Ici, bah, je vais vous refermer un petit peu tout ça pour que vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler une fois que ce sera fini. Tac, hein, j'ai pas assez de coffre du coup sur moi là, mais techniquement c'est censé ressembler un petit peu à quelque chose du genre. Ouais, comme ça, super, voilà. Donc on aura donc tous les coffres ici. Donc on a les coffres à os, les coffres à flèches, ici on aura les arcs, peu importe ce que c'est, hein, on verra. Et ici on aura le reste, donc vous voyez que ici on a un casque, donc on le mettra ici. Le reste ça peut être des casques, des morceaux d'armure, voilà. Mais les arcs on va les laisser à part quand même parce que voilà. Donc j'ai refait un petit peu, enfin un tout petit peu l'entrée. Je vais éviter de sortir, on est en hard. Voilà, on rebouche histoire de. J'ai refait un tout petit peu l'entrée. Enfin, disons que je l'ai décalé un petit peu pour arriver avec un peu plus de recul au niveau de la pièce. Voilà, on arrive ici. Avant, on était direct bloqué un petit peu par là, donc c'était un petit peu petit. Là, c'est un petit peu mieux. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous savez que ici, on a le petit hopper. On le voit pas très bien. Voilà, on le voit mieux. On a le petit hopper ici qui récupère les items. Et on va utiliser ce hopper. Donc, on va le tourner dans l'autre sens, je pense. Enfin, bref, on verra comment on va le mettre. Mais on va utiliser ce hopper pour ajouter un système de tri, donc on va faire partir déjà les flèches d'un côté, les os de l'autre, et ensuite on va faire arriver le reste vu que les arcs ne sont pas triables, ça ne se stack pas, ni les armures d'ailleurs, eh bien on sera obligé de faire arriver le reste dans un coffre à part ou dans les coffres ici et on triera nous-mêmes à la main. De ce côté-là, on n'a pas vraiment le choix. Mais en tout cas, on fera déjà le tri des os, enfin des flèches et des os, et le reste on l'emmènera soit à droite soit à gauche, je sais pas trop, on verra en temps voulu. Donc déjà je vais commencer à dégager un petit peu, on va faire le système de tri. Alors j'étais en train de réfléchir vite fait où est-ce que j'allais le faire, je pense que j'ai la place au-dessus, mais au-dessus j'ai l'arrivée du farmer. Je vais juste voir si j'ai vraiment pas du tout de place au-dessus ou si j'ai vraiment ou si j'ai une possibilité de le faire au-dessus. Attendez, on va juste boucher un peu plus haut. Ici, ici, voilà. Donc on va essayer de remonter par là, par exemple. Je sais pas si je suis trop haut ou pas en fait, on verra. Non, nickel, super. Donc on va essayer, je vais éclairer un petit peu, voilà, super. On va essayer de le faire, alors ici j'ai vraiment le couloir à squelette, hein, voilà. Tac. Ici j'ai tout ce qui est pour le système des torches de la lumière pour allumer et éteindre le spawner. Donc le levier est ici, alors attendez, le levier il est par où par rapport, olé, par rapport au hopper. Le levier est eh ben, à deux blocs du hopper en fait. Donc je pourrais pas le faire aller par l'arrière. De toute manière, il va falloir que je fasse un ascenseur à item pour les faire monter au-dessus. Mais j'étais en train de réfléchir. Je sais pas si par là on va avoir la place. Alors, je vais juste voir jusqu'où on peut aller éventuellement. Par là. Où est-ce qu'on arrive à l'escalier? Ici. Ok. Donc on a jusqu'ici si on veut faire le système de tri. Je pense que ça ira. Hein. Je pense qu'on a la place. Donc je vais dégager un petit peu la zone ici, l'agrandir un peu, voir un petit peu comment est-ce que je peux faire monter tous ces items. Oh. Ah, il y a des coffres ici, d'accord. Oh oui, d'ailleurs ça va être un peu chaud du coup si. Non, bah non, ça tombe pile poil, c'est nickel. Super, donc je termine de dégager ça et on se retrouve juste après. À la suite. Voilà, re tout le monde. Alors, c'est dégagé, c'est même un petit peu construit. En tout cas, j'ai pas terminé donc. Comme ça, vous voyez un petit peu où j'en suis. J'ai fait le premier système. Pourquoi c'est allumé ça? Oui, non, c'est normal. En gros, on va faire ça dans l'ordre. Parce que c'est un petit peu le bazar, pardon. Donc, les items qui arrivent dans ce hopper sont déplacés. Ils descendent d'un cran. Ils sont déplacés à gauche. Voilà, ça arrive dans ce hopper-là.
Ça lag un peu. Ça lag même beaucoup, c'est bizarre. Ok. Ensuite, ici, j'ai pas encore fait le système, mais c'est un ascenseur à dropper, donc. Donc, hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça arrive. Tac. Ici. Ici, ça passe dans toute cette ligne de hopper. Donc, si ce sont des flèches, tac, 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 ça arrive ici dans les coffres à flèches. Donc, c'est un système de triage, un système de tri, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire. Avec le hopper qui contient 21, je crois, 18, 19, 20, 21, 22 items, voilà. 22 des items à trier. Le comparateur ici, deux redstone, le repeater et la torche, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Ici, j'ai la même chose d'ailleurs pour. D'ailleurs, ça manque un peu de lumière ici, voilà. Ici, j'ai la même chose pour, je vais y arriver pour les os, pardon. J'ai pas encore fait le tri, mais donc s'ils sont pas des flèches, ça passe ici. Ici, si ce sont des os, ça va là. Tac, 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 tac. Ça arrive ici dans les coffres à os. Je pourrais pas vous le montrer, mais bref, c'est les coffres à os, quoi. Et si ce ne sont donc ni des flèches ni des os, tac tac tac, ça continue son chemin, tac, ça passe donc au-dessus, en gros ça passe dans cette direction-là, mais grâce à la magie des hoppers, si l'item peut descendre ici, et eh bien il descendra, sinon il continue là, tac, s'il peut descendre ici, il descendra ici, s'il peut pas, tac 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 tac, il continue un petit peu plus loin. Ici on a une petite cloque dès qu'il y a un item qui arrive dans le dropper. Donc pour montrer un petit peu, je vais mettre 9 cobbles. Voilà, dès que ça arrive, tac, ça tire un par un. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du coup. Voilà. Il n'y en a plus du tout. Donc ça j'étais en train de le faire, je vais le reboucher, parce que c'est très très simple, hein. Un comparateur en sortie du dropper, un repeater parce que s'il n'y a qu'un seul item, sinon ça ne marchera pas. La redstone qui revient sur le côté du comparateur, on va ouvrir un petit peu pour mieux voir. Voilà, la redstone qui revient sur le côté du comparateur, juste ici, comparateur en mode soustraction, hein. Donc vous le posez, vous faites clic droit dessus. Hop, je le pose, clic droit, voilà. Et puis voilà, ensuite le même fil de redstone qui va alimenter le dropper. Donc on va refermer ça. Tac, tac, tac. Ici aussi avec les jolis bugs des hoppers. Voilà. Ici aussi on peut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de verre. Mais d'abord on va poser la lave. Donc. Hop, la lave, le verre. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que dès que, en gros, si ce ne sont pas des flèches, donc si c'est soit des arcs, des armures, etc., ça passe là-dedans. S'il y a de la place dans les trois doubles coffres qu'il y aura en dessous, ça y descend. S'il y a pas de place, ça essaye dans les trois doubles coffres qui sont ici. S'il n'y a pas de place, pouf, on va jeter. Hein. C'est pas la peine de garder des trucs en masse. J'estime qu'après 6 doubles coffres de bordel, genre arc, armure, etc. rempli, en plus de ça il y a les hoppers hein, aussi. Hein. J'estime que voilà, il n'y a pas besoin de garder. Hein. On va pas non plus faire un élevage d'arc. Donc ici c'est bueno. On peut faire de suite le test en balançant un truc, une torche par exemple. Hop là, je l'ai entendu. Alors on n'a pas entendu cramer, c'est bizarre. Bah, je l'ai récupéré là, je rêve. Oui, non, je l'ai récupéré. Bon, on l'entend pas cramer, d'accord, bon, je ne savais pas. Bref, dans tous les cas, ça crame. Donc, ici, on est plutôt tranquille, on peut éclairer, on va laisser ouvert quand même, histoire de. Et je crois que le plus dur est fait. J'ai plus que l'ascenseur à dropper à faire, que je vais faire maintenant d'ailleurs avec vous. Ce sera pas très long, de toute manière, ça lag beaucoup. Ça, c'est dès qu'on touche avec des hoppers, ça commence à ramer un peu. Et ça lagera moins dès que. Dès que. Ah, mais attendez, je suis arrivé, what the fuck. Dès que j'aurai caché un petit peu les systèmes. Donc, ici, on va devoir choper la sortie. On va la choper de ce côté. Tac, 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 tac. Voilà, on va éclairer un petit peu. Alors, sortie du premier dropper tout en bas. Hein, donc, on a le hopper qui arrive ici, vous voyez. Voilà. Donc on récupère la sortie via un comparateur. Ici, tac, 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 tac. On a. Oh, joli bug. Donc ici, on a. Je vais faire un petit passage sur le côté, on verra mieux. Ici, on a. Ta 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 ta. Torche. Ça, on verra plus tard. Tac, tac. Alors ici, on a une torche qui alimente un repeater.
qui. Ouais, on va en mettre deux, je sais pas. On va faire des tests d'abord. Qui alimente une redstone qui va aller alimenter un repeater qui alimente ce bloc-là. Ce bloc-là qui alimente cette torche. Cette torche qui alimente ce bloc qui éteint cette torche. Torche qui alimente celle-ci quand elle sera allumée. Et qui revient alimenter ça avec un tick. Enfin, deux ticks de délai, pardon, au deuxième cran. Enfin, bref, vous cliquez une fois, vous cliquez droit une fois dessus, pardon. Ici, on a un ascenseur item, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais laisser ça ouvert au cas où je dois, au cas où le délai soit pas correct, on va dire. Donc ici, au-dessus de cette torche, un bloc, ensuite une torche, ensuite un bloc. Bref, ascenseur à torche, hein, tout ce qu'il y a de plus connu, de plus normal. Voilà. On va remettre une petite torche ici. On va faire un test de suite. Je vais aller chercher. Tac, tac, tac. Aïe. 5 petites flèches que je vais balancer là-dedans. Voilà. Elles sont parties. Alors, on les entend qui clignotent. Elles ont l'air de bien arriver ici. Nickel. Bon, bah super. Tout fonctionne correctement. Donc ici, je peux reboucher. Oh, ça va partir dans les autres coffres. Donc, on peut reboucher. Oh. Ici. Tac. Ici aussi. Ici. 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 Ok. Ici aussi. Ici aussi. Là. Oui aussi. On peut tout reboucher. Il n'y a pas de souci. Tac. 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 Ça, on viendra le reboucher d'en bas. Hop. Ici, pareil. Et super. Donc, on peut aller reboucher là-bas, en bas. Aïe. Alors, ça, voilà, super. On peut aussi reboucher. Alors, ici, donc pour vous expliquer un petit peu le principe, c'est à peu près, c'est la même chose en fait pour chaque coffre, pour chaque batterie de 3 doubles coffres. En fait, si vous voulez, les items vont descendre dans les hoppers ici. Ils vont arriver ici. Ici, les items vont descendre dans ce hopper. Et ensuite, ils vont descendre dans celui du dessous. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne un hopper. Il regarde dans une direction, certes, mais s'il y a un hopper en dessous, bah, il va descendre en fait. Donc, en gros, les items vont descendre tout en bas jusqu'à ce dernier hopper. Ils vont aller donc se mettre dans ce double coffre là. Ensuite, imaginons que ce double coffre est complètement rempli. Donc, les items vont quand même, pardon, continuer à descendre dans ce hopper. Une fois que ce hopper sera complètement rempli. Ils vont descendre, 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 descendre. Arriver dans ce hopper là, ils vont se dire, tiens, faut que j'aille en dessous, il y a un hopper. Paf, il est rempli. Bon bah non, j'y vais pas. Donc hop, je reste dans celui-là et donc je vais dans ce coffre. Une fois que ce double coffre est rempli, les items vont arriver là. Tac, ils vont rester dans ce hopper. Une fois que ce hopper est complètement rempli, les items vont arriver. Ah, il y a un hopper en dessous, faut que j'aille en dessous. Ah mais je peux pas, il est plein. Donc paf, je reste dans celui-là et je vais dans ce double coffre. Voilà. Donc en gros, les coffres vont se remplir de bas en haut. Alors. L'inconvénient, si on peut appeler ça un inconvénient, c'est que bah, si je prends par exemple un stack dans le coffre du bas, les coffres du haut vont pas se vider pour aller se mettre dans le coffre du bas, certes, mais au moins, voilà, ça a le mérite d'être clair, net et précis et plutôt simple d'utilisation. Donc on va pouvoir oups, reboucher ça correctement avec le truc qu'il faut, à savoir ceci, voilà. Hop, ici on va pouvoir reboucher aussi. Reboucher comme ça, c'est très bien. Oups. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Ici, pas besoin de. Oui, voilà, c'est très bien. Ici, on va pouvoir aussi reboucher avec ceci. Voilà. Ici, on rebouche. Ici, on peut reboucher, mais voilà. Hein. Tac. Et enfin, pierre. Hop. Et voilà, super. On a notre coffre à flèches qui est terminé. Je vais faire la même chose pour les autres coffres, je rebouche, etc. Et on se retrouve une fois que c'est fini. À de suite. Voilà, re tout le monde. Bon, c'est clean, c'est net, c'est allumé. Il y en a une soixantaine, je crois. Oui, c'est ça, 65 à peu près. Il y a juste l'escalier que j'ai pas encore décoré parce que ça ira avec la déco extérieure. On va voir de suite si le système fonctionne. Et moi j'ai rangé toute ma cobble là. Bravo Raptor. Bref, allez, on va tester ça. On va d'abord éteindre ça. On va aussi choper une popo. J'ai rempli le stock d'ailleurs. Un petit peu plus. Et let's go. Moment de vérité, attention. Ça va très beaucoup laguer, je pense.
L'XP vient nickel. Ça, c'est super. Ça, c'est franchement énorme, d'ailleurs. Elle vient très très doucement. Est-ce que ça marche? Les flèches. Il semblait que j'en avais deux stacks uniquement, donc ça a l'air de marcher. Les os, ça marche, c'est en train d'arriver. Ici, normalement, il est censé y arriver tout le reste, s'il y a eu du reste, mais je crois qu'il y a eu des arcs. Ah, les flèches qui arrivent. Donc en gros, ce seront les trois coffres ici qui vont se remplir d'abord. Voilà, hop. Et ensuite, les trois autres ici, même si j'ai déjà mis des trucs, c'est pas très grave. Normalement, ouais, il y a encore des items. Il y a encore des os, on peut aussi aller voir là-bas ce qui se passe. Alors, ça monte encore? Ah oui, d'accord. Ça monte, il y a des flèches qui passent, il y a des os. Ça trie, c'est nickel, c'est super. Bon, bah du coup, ça... Ah, on arrive à la fin, je crois. Et les flèches, il y a eu des nouveaux arcs. Ah, ça marche pas mal, je suis content. Je suis content. Les os, pareil. Eh bah écoutez, super. Magnifique. Ça nous fait un petit farmer à squelette, peut-être tranquillou, quand on a besoin de flèches, d'arc, d'armure en tout genre, ou de bone meal, par exemple. Eh bah on a qu'à venir ici. J'ajoute une petite enclume ici, histoire de, si on a besoin de combiner des arcs enchantés ou des armures enchantées, etc. Et puis voilà, j'espère que ça nous servira. Je trouve ça sympa comme déco. C'est très simple, mais très... j'aime bien ici, en fait. Ça fait une espèce de tête. Bref. Bon, bah du coup, on se retrouve de suite dès que j'ai trouvé une petite idée pour la déco. Pour la déco extérieure. La déco extérieure et la descente, du coup. Et bah voilà, on se retrouve de suite. Après un petit rush, voire même gros rush dans le Nether, on se retrouve pour mettre un petit coup de fortune 3 sur tout ce quartz, parce que je vais en avoir besoin en masse, non seulement pour refaire quelques comparateurs, il me semble que j'en ai besoin encore un petit peu. Et puis je vais avoir besoin surtout de blocs de quartz, ça c'est certain, pour faire la déco extérieure du farmer à squelette. Donc premier petit accéléré de cette deuxième saison, je pense, il me semble en tout cas. Je mine ça et on se retrouve juste après. Tout le monde, bon, alors du coup, petit changement de programme pour la déco extérieure. On va devoir attendre un tout petit peu, étant donné que j'ai besoin de hardened clay. J'en ai besoin de pas forcément beaucoup, 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 mais quand même pas mal. Et puis plutôt que d'aller en chercher dans les rivières, etc., sachant que je suis en biome savane et qu'il n'y a pas forcément trop de lacs, etc., il me faut un biome Mesa. Voilà. Donc j'ai fait de la recherche. Les seuls biomes Mesa qu'il y a aux alentours sont, va peut-être être un poil fort. Le seul biome Mesa qu'il y a aux alentours, il est à. Il est à peu près à 20 000 blocs, il me semble. Donc, petit souci. Donc on va juste éviter de faire ça cet épisode, parce que ça prendrait trop de temps sinon. Donc au prochain épisode on ira quand tu veux tu rentres à l'arc. Voilà. Au prochain épisode on ira chercher ce biome Mesa grâce au Nether, hein, ce sera. Je vais pas me taper 20 000 blocs. C'est même pas la peine. Donc on ira chercher ce biome Mesa et on fera donc la déco extérieure. Voilà, ça fera un épisode un petit peu plus court en ce qui concerne celui-ci. Mais voilà. Je pense qu'on a déjà pas mal avancé. Donc voilà, prochain épisode, on se retrouve pour aller chercher ce biome Mesa, qui du coup est très très grand, hein, vu que c'est une map large biome.
Et voilà, on ira chercher le biome Mesa et on fera la déco extérieure du farmer. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde. Donc, je termine les murs ici aussi. Faudra que je réfléchisse à l'entrée. On fera aussi l'entrée d'ailleurs. Ce sera une entrée hein, pas forcément cachée, mais on aura un petit système pour l'entrée. Voilà.